Il a mis des fleurs, des parterres de fleurs à perte de vue et des arbres majestueux. Alors qu'il s'est agenouillé auprès de chacune des fleurs. Avec sa palette de couleurs et son pinceau, il s'est agenouillé pour chaque fleur. Oh, d'abord, chaque fleur jaune pour honorer le soleil. Ensuite, toutes les blanches pour parler de la lune au soleil. Les bleues pour donner à boire au ciel. Les rouges pour parler au cœur. Et pour les arbres, il en a dessiné un premier. Et puis seulement, il a commencé à le sculpter. L'érable, évidemment, son tronc, ses racines, ses branches. Et sa valse de couleurs à toutes les saisons. C'est pas le même jour qu'il a dessiné et sculpté le baobab. C'est pas le même jour qu'il a dessiné et sculpté le platane, le magnolia, le peuplier ou le pommier. Et sa devise était un arbre par jour, en forme toujours. Vous voyez le nombre de jours que ça lui a pris pour créer toute cette diversité. Au début, tous les arbres étaient au même endroit. Il a dit « Allez où vous voudrez ». Et les arbres se sont déracinés. Il y a eu des migrations d'arbres et en ce temps-là, chacun pouvait choisir sa terre. Et pour les rivières, comment ça lui est venu? Ce jour-là, le long de ses joues, le long de son cou, les larmes ont coulé comme des ruisseaux. Puis comme des rivières, les larmes coulaient comme des cascades et ensuite comme des fleuves. Et pourquoi il était triste? Il était tout seul là-haut à contempler toute cette beauté. Et il voulait partager. Alors il a commencé à pétrir ses premiers amis, des hommes, à son image. Mais il y avait là une nouvelle difficulté. Il n'avait pas de miroir. Oh, il a fait tout ce qu'il a pu, mais comme toi et comme moi, pas autant qu'il n'aurait voulu, mais tout ce qu'il a pu. Il a pétri différents exemplaires, différents gabarits, différents coloris, différents reflets d'un seul et même créateur. Et puis son toucher s'est affiné. Il a précisé son regard, il a osé quelques courbes, et oui, il a pétri les premières femmes. Oh, il a fait tout ce qu'il a pu, mais comme toi et comme moi, pas autant qu'il n'aurait voulu, mais tout ce qu'il a pu. Il a pétri différents exemplaires, différents gabarits, différents coloris, différents reflets d'un seul et même créateur. Ces êtres nouveaux, il leur fallait des plumes.